Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode, regardez. Voilà, ils nous disent bonjour. Hop là, voilà. Bonjour pour ce et bienvenue pour ce nouvel épisode, le quatrième de la saga sur Yooka-Laylee. Alors on va chercher la suite des aventures. Et deux pour le prix d'un, voilà, boum. Alors c'est décidé, ma manette il veut pas la prendre. J'avais commencé tantôt et il l'a prise et puis bah il l'a pas reprise tout de suite, quasi instant. Donc bon, j'insiste plus. Je vais me faire à la main au clavier, c'est tout. On va voir ça comme ça. On va faire ça à l'ancienne, comme on dit. Alors, faut juste que je me souvienne comment on fait, hein. Alors, je sais pas du tout, par contre, la suite des aventures. Je suis un peu perdu. Non. Deux d'un coup. Ah non. Ça, c'est pour changer de forme. On va partir par là. Est-ce qu'on est déjà venu par ici? Ça me semble bizarre. Ah, ici, il y a quelque chose, peut-être. Non. On entend... Ah, le jeton de Rextro. Pièce de jeu obtenue. Rapporte-moi à Rextro pour t'amuser. Ok. On va prendre cette plume-ci. Alors, la question, c'est où se trouve Rextro? Et j'ai une petite idée. Là, exactement. Nous ne sommes pas encore venus par ici, justement. Voilà. Bon. Je sais que les jeux sont pas faciles non plus. Attention. Hein. Alors, Rextro, fais-nous rêver. Ah, j'allais l'attaquer, moi. Bonjour, étrange dinosaure polygonal. Tu es sûr que tu es dans le bon jeu? Ou la bonne décennie? Et paf, le micro. Salut, mon nom est Rextro. Je suis ici pour présenter Super Jeu d'Arcade. Mais Rextro seul maintenant. Amis tous partis jouent en ligne. Rextro joue solo en attendant. Ami. Depuis combien de temps tu attends tes amis Rextro? Depuis 1997, mais vont revenir bientôt. Ouais. Pas étonnant que des personnages en bloc comme toi aient disparu. Rextro a eu financement participatif. Plein de bons jeux rétro. Rextro a emprunté beaucoup des autres jeux, mais pas répété. Amis ont besoin pièces de jeu pour faire marcher Arcade. Rextro a vu une près d'ici. On a une pièce de jeu, Rextro. Oh, génial! Approchez borne arcade et appuyez sur barre d'espace. Si vous battez jeu, Rextro vous donnera un prix spécial. Ouais, bon, on va voir. Oui. Oui. T'es mignon, hein, mais... Alors, il faut... Ah ouais, ici, d'accord. Voilà, amis veulent jouer à un jeu d'arcade cool. Oui, bah oui. Hein. Kartos Karting, lol. Bon, Mario Karting? Ou c'est quoi? Alors, piloter, esquiver, défoncer. Voici ce que devront faire les pilotes de ce jeu de course truffé d'obstacles. Rextro ne se souvient de rien d'autre. Alors, 5 tours, attrapez des boosts tirés et obtenez le meilleur temps. On verra ce que ça va nous donner. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. C'est un peu bizarre les contrôles. Autant vous le dire. Ah ouais. Oh là là là. C'est quoi ce délire? Attendez, hein. Je sais même pas comment je fais pour pas tomber. Croyez-moi. Wow. En fait, il faut rester appuyé sur une direction pour bouger. D'accord.
Waouh. Bon, maintenant j'ai compris, ça devrait aller mieux. Ouais, bon, allez. Pas facile, croyez-moi. C'est de la merde. Bim. Et ça peut toucher des gens ou pas? Juste pour savoir. Ouah, je sais même pas comment j'ai fait pour passer. Voilà. Bon, on s'y fait, hein, franchement. Mais c'est pas facile, croyez-moi. Bon. On va se concentrer. On peut passer. Je sais pas comment j'ai fait pour jouer à ça à l'époque, hein. Bim, droit dessus. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis passé au bon moment. Premier, bah ouais, je suis tout seul forcément. C'est tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas d'autres. Aïe. Bon, j'ai toujours pas pris les bonus, hein, ça c'est pas grave. En soi. Voilà, bon, ça va, maintenant je commence à, j'allais dire, à gérer, mais il suffit que je le dise pour que je me prenne une chose. Voilà. Ah, c'est le dernier tour, d'accord. Bon, là, on va certainement avoir des surprises. Non, non. Aïe, si. Voilà, il suffit que je le dise. Ah, je suis un fou, moi. Je suis un dingue. Bon, il me reste 2 minutes, donc je peux passer easy. Normalement, bon, on va assurer le bazar. Hein. Parce que bon, étant donné que là, le fait de se déplacer n'est pas très facile. Bon, alors je sais pas ce que ça donne. Waouh, amis ont gagné jeu. Tes jeux préhistoriques sont super faciles. Attendez que Rextro enregistre record sur carte mémoire. Carte mémoire? Pas hésiter à réessayer cette fois. Si Ami bat meilleur score, Rextro donne autre prix. Ami veulent jouer encore? Bah... ouais, hein. C'est pour un autre... c'est pour un cadeau, alors voilà quoi. On va le faire, hein. Alors, bah... 2 minutes 30, c'est ça le concept? Ah, on s'est tiré aussi! Ah bon? Ah ouais? Bon, autant pour moi. Maintenant j'ai compris un peu le concept. On va pouvoir aller très vite. Ah oh! Oh, j'ai de la chance. Voilà, regardez comment je file. Ah, je pensais que ça allait se... s'enlever la flamme. J'ai pas de chance. Oh, j'ai un peu bu. Mais je gère, ça va. Je suis sobre. Je vais passer au milieu, voilà. Bon, il faudrait un de ces quatre que je pense à prendre les bonus, hein. Ou pas... Voilà, ça c'est mieux. Aïe. T'as pas le droit de me toucher. Oh waouh, j'ai de la chance qu'il s'est pas activé le machin. Allez, il y a un moment, il va falloir penser à prendre les bonus, hein. Ouh, et pas les murs. Ça aussi. Bon bah, c'est pas grave, si c'est grave. J'espérais que j'avais assez de vitesse, mais ça va. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue. Ça suit pas du tout avec mes doigts, en fait. Ou alors, c'est de la chance. Voilà, bon. Aïe. Casse-toi. Ah, je pensais que j'étais dedans. Je suis un pilote.
Voilà, au milieu. Non, pas de chance. Bon bah, je sais pas si je vais le battre, hein, Rextro. Il m'a l'air chaud quand même. Oh non, please. Oh non, commande inversée, c'était pas le moment d'avoir ça. Ah, bon bah super. J'ai raté mon bonus. Je sais pas si j'ai assez. Bon, on verra bien. J'ai déjà bête. Ah bah si, voilà. You. Tout juste. Continuer, réessayer. Continuer. On verra ce qu'on peut faire avec ça. Waouh, Rextro ne croit pas que vous battre meilleur score. Bah si. Maintenant, ami recevoir prix ultime. Nom en 3 lettres au classement arcade. S'il vous plaît, ami, écrire un nom classement amusant sur bout de papier doré. Bien sûr, Extro, on te le rapporte sur le champ. Franchement, comment a-t-il pu survivre à la haute définition? Voilà, une nouvelle. Ami, veulent jouer encore? Non, non, ça va. On a donné. Et tu sembles avoir trouvé assez de Pagi pour développer un monde. Et ben voilà. Retrouve-moi à l'entrée du grand tome quand tu seras prêt. Et je te dirai plus. Et je t'en dirai plus. Ok, donc on va retourner au début. Parce que j'ai un petit peu... Ah. J'ai un peu pas trop ce qu'il faut faire ici en fait. J'ai l'impression que c'est... Voilà, qu'on n'a pas grand chose à faire. Ou alors on n'a pas les compétences, c'est peut-être ça aussi. Donc je propose qu'on aille. Ah, tiens, c'est qui ça? Docteur? Oh, ça alors, bonjour. Je ne m'attendais pas à de la visite. Vous devez être Crado Duo, dont le capital B fait toute une histoire. Permettez-moi de me présenter, je suis Docteur Puzz, le plus grand scientifique de la ruche. Enfin, c'était le cas. Avant que cet ignoble Docteur Quack ne me vole tous mes recherches. Psst, Yuka, c'est quoi son problème avec ses bras? Chut. Bonjour Docteur Puzz, je m'appelle Yuka et voici Layli. Vous rencontrez apparemment quelques problèmes tentacules, techniques. Oh non, tout va bien, parfaitement bien même. J'étais juste en train de régler mon invention préférée qui a le magnifique pouvoir de transformer. Après cette horrible histoire avec le Docteur Quack, il ne me restait qu'un seul prototype endommagé. Mais maintenant il fonctionne, normalement. Enfin, à part un petit incident. J'ai une vague idée de ce que c'est. Si vous me trouvez la molécule cool de ce monde, je pourrais alimenter le rayon ADN et vous aider dans votre aventure. D'accord, docteur. On verra bien ce qu'on peut... faire. J'espère ne pas finir avec des Bernacles. Des Bernacles, Yuka. Tiens, je sais pas. Ça doit être un jeu de mots, quelque chose, mais... Bernacle. Bernacle ou alors Bernacles. Je ne sais pas. N'hésitez pas, réagissez dans les commentaires parce que... Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Il y a quelque chose, je ne sais pas. Ça doit être ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Bon, ok. Alors, notre mission, c'était... Ah ouais, d'accord, on n'a jamais été plus loin, c'est une blague. Pourtant, on était juste à côté. Ok. Tac, tac. Voilà, moi, je suis comme ça. Tiens, you. Hop là, c'est bon, les papillons. Alors, on y va. Par contre, pour retrouver le début, ça, c'est encore une fois tendu, hein. Autant vous le dire. Ah, ça c'était lui. Donc c'est par là. Ouais, j'ai un sens de l'orientation ultra méga développé. Croyez-moi. Tac, voilà. Barre d'espace. Alors, hop là, on se fait avaler par le livre. Tout va bien. Tout va bien. Alors, Rextro, un seul jeu d'arcade caché par monde. Oui, on l'a vu. Et utilise tes pagis pour agrandir tes mondes existants. Alors,
Ah voilà, vous êtes de retour et vivant. Ce serpent a perdu son pari, on dirait. Lol. Oui, on... Une minute, quel pari? Ces grands tomes peuvent être des endroits dangereux. Mais c'est bon de vous revoir. J'ai quelque chose d'important à vous faire part. Les grands tomes comme celui-ci peuvent être développés à l'aide des... pagis que vous avez trouvés. Si vous décidez de les développer... Les mondes de livres seront... Les mondes de livres... Ça me fait bizarre quand tu dis ça. Bon, bref. Les mondes de livres seront plus grands et remplis de défis supplémentaires. Ça a l'air cool. Comment fait-on? Une fois que vous avez trouvé assez de pagis, c'est à vous de décider. Si vous voulez les utiliser pour développer un grand tome déjà ouvert, ou si vous continuez de fouiller la ruche... pour déverrouiller un autre livre. Ah. Développer ou explorer? Oui, le choix vous appartient. Et vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Tant que vous collectez suffisamment de pagis. Dans votre aventure. Comment utilise-t-on nos pagis pour développer un grand tome pagis? Rien de plus facile. Placez-vous sur l'interrupteur, devant le grand tome, et appuyez sur barre d'espace. Je vous dirai combien il faut de pagis pour développer le tome. Pour trouver... J'ai pas vu. Nous, les pagis, avons placé autour de la ruche. J'ai pas vu, excusez-moi. Compris, nous allons donc continuer notre aventure et décider si nous développons ou explorons. Je pense qu'on va explorer, hein, bien sûr. Et alors, on fait comment? C'est un peu déroutant, hein. Ce stage, ce monde. Alors. Ça. Tac. Tiens, saleté. Et toi, sais-tu que tu peux appuyer sur tape pour passer en mode visée et regarder autour de toi? Ça va te servir. Merci de ton conseil, Pagy. On va essayer tab. Oui, j'avais déjà fait. Oui. Et alors? Ouais, je sais, merci. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Rien. Bon, on y va. Tiens, ça... Oh, deux fois. Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Voilà, petit papillon. Alors, hop là, on descend. Je vois le monde 2, là, je pense. Mais je suis pas sûr. Alors, tiens. On l'a pas vu tant... La fois passée, elle-ci. Salut, les petits. Qu'est-ce que vous prendrez? Un pour moi. Un tonifiant. Tu dois d'abord montrer ton identifiant de la compagnie, petit. C'est réservé aux employés de la ruche. Justement, à ce sujet, mon ami chauve-souris a mangé le mien. Bon, je laisse filer pour cette fois. Après tout, on est tous de bons collègues. Oui, de bons collègues. Je m'appelle Wendy. Tu as sûrement entendu parler de mes tonifiants, modificateurs. Fais attention, car chaque tonifiant changera drastiquement. Oh là. Tes habitudes de travail. Tu dois terminer un défi pour en déverrouiller un nouveau. Et pas de bêtises, hein. On ne s'équipe que d'un seul tonifiant à la fois. Viens me voir quand tu voudras en changer. Alors, Capital Santé, collecte 5 pagis pour déverrouiller ce tonifiant. Super claque, surtension, collectionneur. Ok. Bon, ça, on n'a pas encore tout ça, donc on va pas s'attarder. Ça va être certainement des... Des upgrades pour notre personnage. Alors, c'est quoi ça, 2? Bon, par contre, je ne sais pas du tout. En fait, je suis un peu perturbé dans ce jeu. C'est que ça a pas l'air... Je viens de là-bas, non? Si, c'est ça. 1, 2. Alors, c'est quoi? Tiens, justement, on va voir. Bon. Ok. Soit. Hop là. Hop, pardon. Alors. Ah, oh, saleté. Ouais. Ah, ok. Et je me suis pas fait avoir. Hein. Bon, on m'a pas aussi facilement, messieurs. 2. Voilà, on va monter par là. Saleté. Ouais. Voilà. Oh. On m'a pas aussi facilement. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Allez.
Bon, ok. Ça le prend comme ça. Voilà. Tu vois? Voilà. Je peux le faire, hein. Vous voyez? Alors, on va activer ça. C'est quoi ce délire? Alors là... j'avais l'impression que c'était le stage 2, ça. Mais non. On dirait qu'on ne veut pas. Barre d'espace, non. Oh là là, je vais devoir explorer, retourner dans le premier. J'ai demandé à ma secrétaire d'annuler tous mes rendez-vous pour que je consacre ma journée à votre extermination. Bon, c'est sympathique ça. Bon, bah, retourne dans le premier, on va l'agrandir, alors tant pis. Hop, 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 hop. Voilà, alors. Alors, il te faut 3 fagies pour développer ce monde. Tu veux développer Tropique Tribulante? Eh ben oui, hein, on va faire ça. Et on va l'upgrader. Regardez le livre. Il va grandir. Boum. Nettement plus gros. La taille compte. Alors, je pense qu'on peut désormais monter dans le... Enfin, monter, rentrer dans le livre... Voilà. Alors, où sommes-nous ? Tropique Tribulante, évidemment. Et il paraît que c'est EP. Alors, vous avez agrandi le monde. Retrouvez-moi avec mes amis. D'accord. Là-haut, ok. Oula, Shovel Knight. D'accord, c'est en haut maintenant. Là aussi. Ouais. Je pense qu'on va pas rire. Là aussi. Mais c'est bien parce qu'il monte plein de choses, mais... Waouh, on peut monter haut. Mais je vais oublier. Franchement, je vais oublier. Tant donné qu'on a déjà baladé, j'ai encore retrouvé des choses. Ah, là, il y a un boss. Là, ça va être concentré de skill. Là, il y a un truc avec de l'eau aussi. Oh là là. Ça en fait des choses à faire, croyez-moi. Tac, tac. Alors, ici, il y avait quelque chose. Si je me trompe pas, on va tomber sur Shovel Knight ici. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Alors, toi. Ça alors, regarde ce type, Yuka. Salutations, aventurier. Je suis celui que tout le monde appelle Shovel Knight. Et ma journée est mouvementée. Je me suis lancé dans une aventure telle que j'ai fini par atterrir dans le mauvais jeu. Je déteste ce genre de situation. Il semble y avoir un superbe trésor caché au sommet de ce temple. Toutefois, j'ai du mal à l'atteindre. Je ne me suis pas encore habitué à cette étrange troisième dimension. Récupérez le joyeux géant et je vous dévoilerai le secret pour réussir n'importe quelle aventure. Très bien, au grand chevalier. Nous retrouverons ton joyau, mais veille à ce que le paiement soit en pagine. Excellent. Que la paix vous accompagne, mes amis. J'attendrai votre retour ici. Ouais. Il n'y avait pas quelque chose ici. Non, toujours pas. Alors, hop. Oh, wow, wow, c'est quoi cette saleté ici? Oh, wow, wow, on va rire, je crois. On va rire. Vous avez vu? C'est toutes des plateformes qui sont évidemment mobiles, enfin fixées au milieu en fait. Donc, ouais, voilà. Bon, on peut pas trop être fier de ce qu'on a fait, mais on l'est quand même. Oh là là, oh là là, ça va être marrant. Voilà. Wow, c'est quoi cette histoire? Ah, attendez, là il y a un truc. Donc il faut prendre un fruit et Z. Attendez. Tab. Voilà.
et tirer. Ouais, tu peux tirer hein, si tu veux. Voilà, oh là. Alors, tac, 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 tac. Easy. Easy, mes amis. Donc, vous voyez, les différentes utilisations des fleurs et des power-up qu'on a chopé. Alors là, par contre, ça va être folklorique. Bon, je suis pas vraiment encore habitué à ça, hein. À cette vue. Z. Alors. Ouais, ça va. Ça peut aller, ça. J'ai connu pire. Alors, j'espère qu'il faut pas aller super vite. Voilà. Bon. Oh, je me suis fait... Alors, ici, c'est quoi? On va essayer de pas trop aller vite parce que... C'est un peu perturbant, leur truc, hein. Alors, tac. Hop, voilà. On va faire tab. Oh là, saleté. Bim. What? Ok, d'accord, il faut les stopper à plusieurs moments. Non, c'était pas la bonne touche. Excusez-moi. Boum. Ouais. Attendez. Là, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on attend de moi. Est-ce que... Par hasard... Attendez, hein, parce que là, il m'énerve déjà. Bon, il va se laisser toucher ou pas? Juste pour savoir. Attendez, hein. Hop. Si je fais ça... Ok, si je rate tout, c'est bien aussi. Donc, je pense qu'en fait, il faut les toucher quand ils sont au-dessus des plateformes. Rien que ça. Tout va bien. Alors. Attendez. Voilà, c'est horrible. Voilà. Non. Ça leur lance. Pourquoi ça leur lance? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre dans l'histoire. Parce que si ça bloque que celle du milieu, forcément... Ah là là. Il y a un truc qui est pas logique dans cette histoire. Ah, par contre, le mouvement est assez pénible. Faut vraiment appuyer. Alors, je vous propose qu'on fasse le tour. Parce que... Sur cette histoire, il y a un truc qui me plaît pas. Il y a un truc que je... Ah, voilà les coquins. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et alors celui-ci débloquerait les deux autres du milieu. Ce qui serait... Alors donc plus logique. Vous voyez, en fait je dois vraiment... Il y en a encore un que j'ai pas vu. Bon. Eh bien on va chercher encore après. Hein. D'accord, il est là. Je sais pas si vous l'aviez vu. Non? Peut-être en fait. Eh? Ah, merci. Alors. Tac. Ah, raté. Voilà, là c'est parfait. Bon, on va s'y accommoder pour celle-ci. Alors... Non, je peux pas me permettre ça. Hop, on va le recommencer. Côté du dupe. Voilà. Alors, il faut que ce soit un peu plus à droite. Genre ici. Allez. Allez, mon ami. Ah, je suis une quiche. Oh. Voilà. Ah, mais c'est pas possible. Eh, ça va me faire devenir chèvre, ce machin. J'espère que vous... Ça vous fait bien rire. Parce que je galère pas mal, en fait. J'avoue. Tac. Ben voilà. Perfect. Il était temps. Bon, maintenant, il faut pas qu'il se désactive. Hein. Imaginez. Après un certain temps, hop, il se relance. Ouais. Voilà. Oh là. C'était pas facile, mais on l'a eu. Alors, c'est quoi, ça? Aïe, ça me charge ce machin. Ah, je vais les sortir. Ah bah non. Voilà. Voilà. Saleté. Ok. On est en haut. Et alors, il se passe quoi? À part dire cool, on est en haut. On fait quoi maintenant?
Je pense pas que c'est prévu pour... monter. Ah, je suis... irrécupérable. Voilà. Allez, monte. Allez, t'as su le faire, Yuka. Voilà. Alors, ici, il y a quoi? Hormis une flamme et welcome, on est bienvenu. Il se passe rien en fait. Ah non. Bon bah tout ça pour rien, j'ai envie de dire non. Non non, il y a des plantes. Donc s'il y a des plantes, il y a quelque chose après, ça c'est sûr. Alors on va repasser quand il voudra bien relancer ça. Mais je vous propose de faire ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller voir les autres let's play en tout cas. Et on va se quitter sur le petit au revoir et la petite célébration de Yuka, bien sûr. Voilà. A bientôt, bye bye.